our defining moment. If we fail, our nation falls. Oui. Ouais, ouais, non, tuez-les tous. Ya, 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 bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr. Vous le voyez, nous sommes ici dans mon bureau en direct de la Gamescom 2018. Vous le voyez derrière moi, nous allons vous reparler de The Division 2, le jeu qui divise par deux, dont vous avez déjà pu voir nos impressions de l'E3 2018 avec Romain. Et en ce qui concerne le gameplay, eh bien, la démo à laquelle j'ai pu jouer était exactement la même que celle que j'avais pu essayer avec Romain. Donc je vous invite, si vous voulez voir nos impressions purement sur le gameplay, à revisionner la vidéo de l'E3 2018 puisque c'était le même environnement, les mêmes hordes d'ennemis, rien n'avait changé à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux vous dire en plus, on a assisté à une petite présentation avec un effectif réduit où Ubisoft nous a, comment dire, détaillé un petit peu leur manière de travailler en fait pour reconstituer l'environnement de Washington DC dans The Division 2. Donc vous savez que là, on quitte l'environnement hivernal et un petit peu tristoun de Manhattan pour arriver à Washington DC en plein été, 7 mois après le premier épisode. Et en fait, Ubisoft a mis les plats dans les grands. Pour le coup, en fait, on nous a expliqué qu'une dizaine de personnes étaient parties à Washington pour faire des recherches, en fait, pour déambuler dans les rues, pour prendre des photos des rues, des allées, pour discuter avec des gens, des artistes, des policiers, des ambulanciers, des gens dans des bars, en fait, et pour recueillir un petit peu leurs impressions et surtout pour savoir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une catastrophe comme celle que vous allez devoir affronter dans The Division 2. Que se passerait-il s'il y avait des mouvements de foule et surtout comment les différents quartiers se comporteraient-ils en fait face à cette menace. Donc là où nous n'avions que deux environnements différents dans le premier Division qui se passait à Manhattan, là vous avez six environnements assez différents les uns des autres. Vous avez par exemple la banlieue un peu bourgeoise qui a eu le temps de voir venir l'invasion et qui du coup est partie en laissant tout derrière eux en fait. Donc vous allez avoir des grands appartements, des grandes maisons dans lesquelles vous allez trouver énormément d'objets qui ont été laissés comme ça un petit peu dans la panique. Les quartiers beaucoup moins bourgeois où les gens ont dû se barricader en fait pendant plusieurs jours, ce qui veut dire justement des barricades à défoncer, des tas d'ordures aussi qui s'amoncellent le long des rues, des voitures laissées à l'abandon. Bref, vous avez des environnements qui vont tous être très typés. Et si vous vous rappelez justement ce qu'on vous disait sur The Division 2 pendant l'E3 2019, vous savez que la ville de Washington a été reconstituée à l'échelle par les équipes d'Ubisoft avec la même technologie qui permet de vous guider via un GPS. Et donc vous avez vraiment un plan extrêmement réaliste de la ville telle qu'elle pourrait être si évidemment une catastrophe et une invasion comme celle qui structure l'univers de The Division nous tombait dessus. Et du coup, ce qui est intéressant, que vous connaissiez Washington DC ou pas, c'est qu'il y a énormément de bâtiments, d'éléments iconiques que tout le monde connaît en fait à travers la télévision et que vous allez retrouver dans un état plus ou moins délabré ou en tout cas investi par des factions adverses ou complètement désert. Donc il y a quelque chose d'assez familier finalement et d'assez logique en fait. C'est un petit peu la logique qui a guidé les équipes d'Ubisoft, à savoir que par exemple comme la ville est bâtie sur un marais, et bah, par exemple les souterrains du métro ont été très rapidement inondés. Vous avez comme ça pas mal de choses organiques et géographiques qui ont été véritablement étudiées, prises en compte. Donc même si tout ça n'est évidemment qu'une lettre d'intention et ne présage absolument pas de la qualité finale du jeu en termes de gameplay pur, on a quand même un véritable souci du détail qui est plutôt à saluer de la part des équipes d'Ubisoft qui ont visiblement vraiment mis le paquet pour retranscrire un Washington DC catastrophique, plus vrai que nature. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce gros travail de recherche qui a été effectué par les équipes d'Ubisoft à Washington DC. On vous reparlera de toute façon de The Division 2 d'ici à sa sortie en mars 2019. Et évidemment, je vous donne rendez-vous sur Gameblog.fr pour plein d'autres vidéos d'impression en direct, non pas de mon bureau, mais de la Gamescom 2018. Ciao ! 3, 2, 1, go, 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 go.